Morgan, allez, Iden, les tutres aujourd'hui, le Lenishmat, Molver Bishmol, Ben Shlomo Zalman, Sarah, Batrana, Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim, Ben Sarah, ainsi que les Refouat, Sarah, Bat, Betty, Rivka, Betor, Shalchol, Israël. Si vous souhaitez aussi aider nos prochaines études de Mishnah, contactez le 5e minute éternelle. Nous étudions ma Sechat Minachot, Perektet, Mishnah, Hey, Kol Midot, Shayuba, Migdash, Hayu, Nigdashot, Chutz, Michel, Kohen, Gadol, Shaya, Godcha, Letocha. Midot alach berutzehen kodesh. Midot ayavesh berutzehen chol. Rabbi Akiva omer, midot alach kodesh, lefikach berutzehen kodesh. Midot ayavesh chol, lefikach berutzehen chol. Rabbi Yossi omer, lo mishum ze. Ela, shealach ne'ekar, vayavesh eino ne'ekar. On commence tout de suite à traduire la Mishnah, il y a un sérieux problème au milieu, mais pour le moment la première partie elle est très simple. Kol midot shayu bamikdash, toutes les mesures, les verres doseurs qu'il y avait dans le Betamikdash, hayu nikdashot. Elles étaient prévues pour qu'on prenne les mesures lorsque les mesures sont bombées, qu'elles dépassent pas des cubes de mesure rases. À une seule exception, Chutz Michel Kohen Gadol, à l'exception de la mesure du Kohen Gadol, c'est-à-dire pour les fameux chavité Kohen Gadol, Shaya Godcha le Tocha, où il y avait, où la cuillère elle était rase. Littéralement, c'est un peu dur à traduire. Shaya Godcha, parce qu'il y avait la partie bombée qui était à l'intérieur, donc elle était plus bombée. D'accord, c'est un peu une expression un peu originale. Mais en tout cas, Shaya Godcha le Tocha, en tout cas, qu'elle était toute prévue qu'elle arrive à plat en haut. J'explique un petit peu mieux. C'est que, on a déjà évoqué, vous connaissez déjà le sujet depuis, je crois, deux Mishnah précédentes. C'était peut-être, je ne sais plus, c'était Mishnah Bet ou Mishnah Gimel, une des deux, où là-bas, on apprenait que lorsque je vous dis de prendre une cuillère à soupe, même si la cuillère à soupe elle a une contenance fixe de 10 millilitres, par exemple. Mais il y a deux manières de mesurer. Vous pouvez soit mesurer avec ce qu'on appelle le godesh en hébreu. Le godesh, ça veut dire que la cuillère elle est bombée, elle dépasse. Ce que vous avez ramassé, ça va tomber ensuite. Ce qui va rester en dessus, la petite partie bombée supérieure, avec elle, ça fait la quantité requise, ou bien, il y a une autre manière de mesurer, c'est de prendre des mesures rases. La Mishnah vient et m'enseigne, et ben tu sais, au Beit HaMikdash, toutes les mesures, elles étaient prévues pour mesurer avec la petite partie bombée, lorsque je te demande de prendre un Issaron, tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, de prélever un Issaron, d'avoir une mesure d'un Issaron, sache que c'est un Issaron, mais lorsque ça dépasse, tu verses jusqu'à ce que ça va dépasser, que ça va tomber, ce qui va te rester, c'est la partie, c'est exactement la mesure indiquée. À une exception, c'est la mesure du Kohen Gadol, que le Kohen Gadol, pour les chavités Kohen Gadol, étant donné qu'il fallait séparer la farine en deux, alors il ne fallait pas prendre une mesure bombée, étant donné que, si déjà ça dépasse, quand tu vas vouloir couper ça en deux, forcément ça va te faire déborder une partie de la semoule qu'il y a dedans. Donc de ce fait, il fallait une mesure spéciale qui était rase, de manière à ce que lorsque tu vas rentrer maintenant, tu vas vouloir séparer en deux ce qu'il y a dedans, tu vas vouloir rentrer un ustensile pour ensuite ressortir, ça ne va pas te déborder dans tous les sens. D'accord? Si vous vous souvenez bien, il y a en réalité sur le sujet une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Et la Mishnah d'ici va donc, selon Rabbi Meir, qui disait qu'il y avait deux mesures de 1 Issaron au Beit HaMikdash, et la Halakha n'était pas établie comme ça, elle est établie comme Chachamim, donc avec une seule mesure. On continue la suite de la Mishnah. On va la traduire de manière simple, et après on va soulever un problème sérieux qui est étrangement soulevé que par le Tiferet Israël, et pas par les autres Mefarchim, mais c'est très embêtant, je vous expliquerai pourquoi aussi. Mais en tout cas, il y a marqué comme ça. Midot alach berutzehen kodesh, midot ayavesh berutzehen chol. Les mesures des liquides. Alors, la partie bombée devenait kadosh, elle était sanctifiée. Tandis que dans les midot ou midot ayavesh, dans les mesures sèches des produits secs, tels que la semoule en l'occurrence, berutzehen chol, la partie bombée était profane, n'était pas kadosh. C'est très simple pour le moment ce qui est écrit. Je répète ce qui est écrit. Lorsque je t'ai demandé de prendre un issaron, ou bien je t'ai demandé de prendre un hin ou chatsihin ou revita hin, peu importe. Alors la Mishnah m'enseigne, sache que lorsque tu vas mesurer avec une cuillère, c'est un verre doseur de quelque chose de sec, un produit sec, sache que ce qui va être
à l'intérieur de la mesure va être kadosh, va déjà être sanctifié. Tandis que si ce qui dépasse n'est pas sanctifié. C'est ce que la Mishnah semble dire, sans cela qu'il y a un sérieux problème. Mais pour le moment, c'est ce que la Mishnah semble dire. D'accord, le Berutzeien, comme ça il rapporte le Barthénora, c'est le Godesh, la partie qui dépasse, la partie bombée, la partie supérieure. Donc dans les mesures de produits secs, la partie supérieure n'est pas kadosh, mais dans les mesures... Excusez-moi, je peux te bailler, mais... Même si je recommençais le cours, je baillerais encore, donc je me dis, j'ose bailler devant vous, quoi, désolé. En tout cas, dans les mesures des laverdoseurs des liquides, eh ben, la partie supérieure n'est pas kadosh. Elle est kadosh, d'accord? C'est ce que la Mishnah m'enseigne. Et la raison à cela, alors on peut déjà l'introduire, c'est déjà expliqué ici par le Barthénora, elle est que pour pouvoir avoir un ustensile du Beit HaMikdash, il ne suffisait pas de fabriquer un ustensile. Imaginez par exemple que j'ai pris un verdoseur par exemple pour une mincha de un issaron, j'ai prévu la quantité requise, la profondeur, la contenance. Eh bien, pour pouvoir le rendre kadosh, il fallait le sanctifier et le oindre avec l'huile d'onction. Maintenant, selon les mesures, ce que le premier avis de la Mishnah pense que selon les mesures, il fallait soit oindre à l'intérieur ou soit oindre à l'intérieur et à l'extérieur. Je m'explique. Lorsque, concrètement, pour les mesures de produits mouillés, humides, liquides, alors, il fallait oindre à l'intérieur et à l'extérieur. De ce fait, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ensuite je vais remplir l'ustensile avec un liquide et que ça va dépasser, eh ben, tout le liquide va devenir kadosh. Le simple fait de poser dans un clic kadosh, ça sanctifie l'objet. D'accord? C'est une règle. On peut sanctifier par la parole, on peut sanctifier parce qu'on va vouloir mettre dans l'ustensile avec intention de le rendre kadosh. D'accord? Si je prends de l'huile d'olive, je vais la verser dans un verre profane, avec intention de le rendre kadosh, je ne vais pas la rendre kadosh. Soit parce que je vais la rendre kadosh, soit en la désignant à Reizé kadosh, je le rends kadosh, je le rends saint, ou soit parce que je vais le mettre dans un ustensile qui est lui-même kadosh. Et donc, comme je vous ai dit, pour les produits liquides, les mesures des liquides, il fallait les rendre à l'intérieur et à l'extérieur. Tandis que les verdoseurs pour les produits secs, on leur faisait l'onction à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. De ce fait, puisque tu as fait que l'intérieur, donc ça ne va sanctifier que ce qui est entré à l'intérieur des parois et pas ce qui le dépasse. Tel est l'avis de Tanakama. On fait très rapidement Rabbi Akiva et Rabbi aussi. Après, on soulève le problème et on va le résoudre tant bien que mal. Rabbi Akiva nous dit, c'est presque vrai, mais c'est pas exact. Midot alar kodesh, l'efikar berutzen kodesh. Les mesures verdoseurs des produits liquides sont effectivement sanctifiées, ont été sanctifiées. Et c'est la raison pour laquelle la partie bombée va devenir kadosh. Tandis que, umidotaya veshrol, les mesures des produits solides, des poudres, la semoule, eh ben, sache que la mesure n'a pas du tout été loin. Il n'y a eu aucune onction, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et de ce fait, l'efikar berutzehen chol, c'est la raison pour laquelle la partie bombée, elle est chol, elle est profane, elle n'a pas été sanctifiée par le simple fait qu'on est rentré dans l'ustensile. Vous allez me poser la question, mais alors, pourquoi dans ce cas-là, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même devenu kadosh? La réponse, le Barthénora nous dit, ça a été sanctifié par la parole. C'est-à-dire, lorsque moi, je vais vouloir sanctifier, je vais prendre ma farine, je vais dire, bon, maintenant je remplis mon verre pour en faire ma mincha, tout va devenir kadosh jusqu'à que j'atteigne la mesure. Donc je verse maintenant ma farine dans l'ustensile, ou bien je vais ramasser comme ça. Ce qui va entrer dans l'ustensile, alors ma parole, par le fait que j'ai dit que je vais rendre kadosh ce que je vais ramasser, ça l'a rendu kadosh. Mais ce qui dépasse n'est plus kadosh. D'accord? C'est l'avis de Rabbi Akiva. On refait ça dans les mots encore une fois. Midot alar kodesh. Les mesures des liquides sont sanctifiées. Les mesures elles-mêmes, elles ont été sanctifiées. Les ficar, c'est la raison pour laquelle berutzehen kadosh. La partie bombée va être elle aussi sanctifiée. Au midot ayaveshrol, tandis que les mesures des solides, elle est restée chrol, elle était profane. Au Beit HaMikdash, on n'avait pas sanctifié, on ne les sanctifiait pas, on ne leur faisait pas l'onction pour les rendre kadosh. Les fikar berutzehen chrol, c'est la raison pour laquelle la partie bombée reste chrol, reste profane, n'est pas sanctifiée. Et le Barthénora dit, mais ce qui est à l'intérieur, c'est quand même sanctifié par la bouche uniquement, pas grâce à l'ustensile. Suite de la Mishnah. Rabbi aussi Omer. Rabbi aussi va nous dire,
C'est-à-dire, si vous faites attention, en fait, tout le monde est d'accord que ce qui dépasse dans les produits, dans les mesures des liquides est kadosh, et ce qui dépasse dans les mesures sèches n'est pas kadosh. Tanakamai nous a dit, c'est un problème, est-ce que tu as au moins un intérieur ou à l'extérieur? Selon Rabbi Akiva, c'est parce que non, les mesures des produits secs n'ont pas du tout été loin. Il n'y a pas eu d'onction. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi va nous dire, non, lo mishumze, telle n'est pas la raison. Ce que, certes, je suis d'accord avec toi que pour les produits liquides, ce qui dépasse est kadosh, et pour les produits solides, ce qui dépasse n'est pas kadosh. Mais c'est pour une autre raison, lo mishumze, c'est pour une autre raison, ce n'est pas pour cette raison-là. Et là, Shalach ne'ekar va'yavesh eno ne'ekar. Mais plutôt, parce que ce qui est liquide ne'ekar. Alors le mot ne'ekar est un peu dur à traduire cette fois-ci, parce qu'en général, ce qui est trouble, mais là c'est pas le cas. Ne'ekar, c'est dans le sens que, je sais pas comment dire, ça bouge, mais pas avec un couf, attention, faut pas se tromper avec, c'est pas que c'est déraciné. Comme il a dit le titre d'Israël, c'est un ne'ekar. Oh, bah c'est très bien, j'ai pas vu qu'il le disait comme ça. Ça m'arrange beaucoup plus. Lui, il dit, le Tifer Dissan, il nous dit de lire le mot Ne'ekar avec un kouf, pas avec un kaf. Si c'est avec un kouf, c'est beaucoup mieux. Le principe est très simple. D'abord, je vous dis le principe, je vous mène en bateau pour rien. C'est que lorsque tu remplis un liquide, le liquide, tu vas rajouter ensuite quelques gouttes. Eh bien, ce qui va dépasser de l'ustensile ne va pas être ce que tu as rajouté. Toi, les gouttes que tu verses, elles tombent profondément. Ce qui remonte, c'est les autres gouttes qui étaient déjà en haut, qui sont maintenant montés plus haut. À la différence d'un produit solide qui est déjà rempli, ce que tu vas continuer à remplir va être ce que tu vas rajouter. De ce fait, le Rabbi aussi nous dit, ben sache que dans un produit, dans une mesure de liquide, ouais, vous savez, dans les mesures de liquide, je voulais vous dire, c'est évident quoi, dans les mesures de liquide, ça dépasse aussi un petit peu, moins, mais ça dépasse quand même. Dans un liquide, lorsque tu vas remplir l'ustensile, tout est arrivé à rabord, tu rajoutes encore 10 gouttes, et les 10 gouttes, ça va faire que ça ne va pas déborder, au contraire. Le liquide va maintenant dépasser les parois. Ce qui dépasse les parois, ce n'est pas les 10 gouttes que tu as rajoutées. Les 10 gouttes que tu as rajoutées, elles sont toujours au fond, elles ont poussé d'autres gouttes qui vont remonter plus haut. À la différence des produits solides, les poudres, tu vas vouloir verser ta farine, tu vas atteindre le haut, tu vas continuer à verser, et ce que tu vas rajouter va être au-dessus, ça va être ça la partie bombée. De ce fait, pour le liquide, c'est kadosh, puisque ça a déjà été sanctifié par le fond de l'ustensile, et pour les solides, ce n'est pas kadosh, ça n'a pas été sanctifié. Voilà pour la Mishnah. Maintenant, il y a un grave problème dans cette Mishnah, c'est incompréhensible, et à ma grande peine, c'est que le Tiferet Israël qui soulève la question. Mon problème avec le Tiferet Israël, il est que c'est quelqu'un de relativement récent, ça fait, je sais pas, 150-200 ans à peu près. Il était à la fin, c'est Rabbi Kiveger, il était déjà vieux. Rabbi Kiveger, c'est la fin du Parabule Niftar en 5500, ça fait 200 ans à peu près, quoi. D'accord ? À cette époque-là, plus ou moins. Et lui, c'est un limite. Donc, rajouter peut-être 20 ans, 30 ans, même 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a, jusqu'à il y a 150 ans, personne ne s'est posé cette question évidente et ça me dérange énormément. C'est-à-dire, on a appris dans la Mishnah précédente que, par exemple, on avait prévu au Beit HaMikdash, a priori, que les mesures étaient prévues, que ça allait dépasser et qu'on allait les sanctifier de la sorte. C'est-à-dire, je veux mesurer un Issaron, d'après tous les avis, Tanakama, Rabbi Meir, lorsque je veux mesurer un Issaron, alors, on a prévu que l'ustensile va contenir un issaron que si ça dépasse. Comment maintenant le Mishnah continue en me disant que ce qui dépasse n'est pas kadosh? Alors quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il fallait prévoir une mesure plus grande pour que tout devienne kadosh. Alors, je remplis mon ustensile parce que je veux cette mesure et que cette mesure va devenir entièrement kadosh. C'est quoi cette histoire maintenant que la partie bombée n'est plus sanctifiée? Ça n'a pas de sens. C'est bizarre. On ne sait pas comment ça rentre. Et le Tiferet Israël, suite à cela, il répond qu'en réalité, non, on ne parle pas de la partie bombée, on parle de ce qui va tomber. Lorsque tu remplis les choses, alors tu as rempli, et ça tombe. D'accord? Alors le Tiferet Israël nous dit, ben c'est simple, pour les parties, pour les solides, ce qui va tomber n'est pas kadosh, et pour les liquides, ce qui va tomber est kadosh, et suite à... C'est pour ça, il y a les trois raisons qui ont été évoquées. Soit, selon Tanakama, c'est parce que pour les solides, on a sanctifié la partie interne et pas la partie externe. Tandis que pour les liquides, la partie interne et la partie externe, de ce fait, ce qui va déborder va encore entrer en contact avec la partie, avec la mesure qui a été sanctifiée. Donc ce qui va couler en dessous va être kadosh. Pas pour les solides, puisque pour les solides, on a sanctifié que l'intérieur. Selon Rabbi Akiva, ça reste le même principe. Et selon Rabbi aussi, qui nous dit que ça déborde, c'est de nouveau le même principe. Ce qui était à l'intérieur et qui a ensuite débordé, puisqu'il a été à l'intérieur de l'ustensile, il a été sanctifié, même s'il déborde, il reste kadosh. Tandis que pour les solides, alors ce qui va déborder, c'est quelque chose qui n'a jamais été
accepté par l'ustensile. T'en avais mis, t'as rempli ton ustensile, t'as même rempli la petite partie bombée, et elle est kadosh, comme ce que la Mishnah nous enseigne au début. Mais ce que tu vas ensuite rajouter, qui va ensuite tomber, c'est la même chose. Ce que tu as rajouté va être ce qui va tomber, et lui n'est pas kadosh, parce qu'elle n'a pas été réceptionnée par l'ustensile. D'accord ? Ça, c'était le Tiferet Israël qui a expliqué comme ça la Mishnah. Personnellement, ça m'arrange, mais je mets un grand point d'interrogation que le Barthénois, le Tosot Yom Tov et tous les autres Mefarshim n'ont pas soulevé cette question évidente. Il est probable qu'ils avaient une autre explication que je ne sais pas. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha pour le tout. Salam.